Le truc le plus intéressant dans un tatouage, si tu ne cherches pas à te faire reproduire le plafond de la chapelle Sixtine, le plus intéressant, c'est quand ça parle de toi. Mais quand je dis toi, ça veut aussi dire lui, 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 lui. Donc, j'ai mis en place un projet original juste pour la convention de Clermont-Ferrand, C-L-E-R-M-O-N-T-F, pour parler de toi à une condition. Le dimanche 22 septembre, laisse-moi photographier ton visage pour le tatouer sur un inconnu. Et ça, seulement à une condition. Que toi aussi, tu acceptes de recevoir le tatouage d'un inconnu sur ta peau. Exemple. Olivier lance le projet. John se fait tatouer la tête d'Olivier sur le mollet. Mehdi se fait tatouer la tête de John sur le bras. Olivier se fait tatouer la tête de Mehdi sur la cuisse. Hop, c'est cool, la boucle est bouclée. Si ça te fait trop peur, regarde jusqu'à la fin de la vidéo, je propose une alternative. C'est donnant-donnant, de façon à ce qu'on puisse construire la boucle d'identité la plus grande possible. Mon but étant de faire un petit peu mieux que cette chapelle Sixtine-là. Je ne te demanderai pas si tu le fais par orgueil ou par don de toi. La seule chose qui m'importe, c'est de le faire et de voir une diversité d'individus constituer un ensemble à travers le tatouage. Et pour exorciser la parallèle avec le film The Human Centipede, je t'offre 5 secondes de ce qui redite la bande-son du film. Le tatouage peut être fait où tu veux sur ton corps, tant que ça peut être filmé en public, puisque le but est de créer une boucle vidéo. Et quoi qu'il arrive, je fermerai le projet dimanche soir en me tatouant le dernier portrait. Le tatouage va faire la taille d'une demi-pomme de main. Parle-moi tout de suite pour intégrer le projet, et va sur mon site le 23 septembre pour découvrir le résultat. Astérisque, si tu as payé ta place mais qu'à la dernière minute tu as peur, il y a une alternative. Tu peux quitter le siège et offrir ta place à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre se fera tatouer à ta place. Et la suite de la chaîne reprendra avec ton visage caché par la personne qui aura pris ta place. Conclusion, dans le tatouage, nous ne sommes pas tous égaux face à notre ego. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un tatouage, ça parle de nous, que ce soit sur le fond ou la forme. Parce que le choix du style qu'on va employer, la façon qu'on va l'employer, la façon dont on va le porter, ça parle de nous. Voilà, ça en vrai, c'était mon introduction. Mais j'avais peur que si je commence par ça en tout début de vidéo, ben en fait, j'avais peur que t'ailles pas au bout de la vidéo et que... Allô ?